Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, Chinotre, Nédé. Hello. Mwana États-Unis, tata yoki kolela na bino, atindeli bino, mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolela lokola moto aza na mombele, lokola moto aza na ngaba. Merci mon but. Wow! Bana États-Unis, kolia bio et komi lolenge na bino. Bona kozwa, mbisi ya kokauka, tope mafuta ya mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Che mama Samira, mansom azali. Eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga babete, bona kozwa biloko a detail. Yoka numero, numero 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka misia kokauka mongusu mafuta mbila et kokoma lokola bazoka na yo. Yeyo kombone mama Samira makiambae. Plus précisément la carte de Washington. Malobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Malobi shop Africa Union. Mais quand t'es gagnant, ça, il y a un yo congolais. On y dit de la yo, à ça, il y a un thé. Bon à Korea, la yo, comme à bon de la yo. Bon à tout, on a yo, comme à bon de la yo. Bon à yo, Malobi bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à quoi la machine sinon voyez pas y'a sinon voyez à dire mon commandant n'est pas là t'es pas là t'es pas là y'a un boca y'a fresh y'a bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo pour la mon canja y'a sali parobi n'y a pas y'a li et un coup à paniwa parobi en tente y'a li y'a un boto y'a mbis y'a parobi n'y a pas y'a boto y'a mon commandant y'a pas y'a ne t'as la n'gando n'y a la n'a pas y'a oye de que n'a soutou eza kodia n'a peti bon maman mande y'a solo bon va t'en comprendre te mawa va congolais où allons-nous où allons-nous bon na kodia n'a pino moko va kodé la dino kodia n'a apeti Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Première partie, c'est un honneur de vous retrouver. Vous êtes nombreux et moi j'aime quand vous êtes là. Merci à merci Nabandego tout. Bozokoma, Bozobenga, toute la nuit, faites des appels et des appels. Ayez votre mal en patience. Je vous donnerai toutes les informations, mais ce n'est pas encore le moment. Continuons à prier, soutenez-moi dans vos prières, dans vos actions. Je suis très heureux de savoir que Boza Nabiso ensemble. Joyeux et pétillant anniversaire à notre femme, notre chère et belle épouse. Moi, si yama lamu, yama yele, pe ya bongo. Docteur Giz Maikandi Mangboko. Moi, si ya Jérémy Maikandi Mangboko, 1m97, équatorien ya solo, de souche, des pères et des mères. Mbotama et lamu, batu ya mbongo, batin darabasin d'abongona, Lubumbashi. Il faut opinion internationale, la nationale. Bayeba. Que Jérémy Maïkan a dit moi aussi qu'il nous fêtait anniversaire dans Lubumbashi. Motama Elam, Docteur Giz. Merci Nabato de partager ma vidéo Nabiso. Le but de l'obaki que Bato partage la vidéo Mingi et Batine Libiso dans Twitter. Bosa Ebele, Maman Odette na Papa Makim na États-Unis, Maman Philo Chikungwila na États-Unis, Madame Maggie Mbouy, la belle, na États-Unis, Maman Monique Kadiombo, je crois, hein, c'est Kadiombo, effectivement, na États-Unis, Maman Françoise, na Belgique, Maman Marie Chilimbangoy, na Paris,
Monsieur Guy Matondo aux États-Unis, Monsieur Patrick Mutanda en Amérique. En fait, au moins, il y a un peu que ce qui est balingue, balingue au caca. Et si tu veux savoir qu'on t'aime, ce sont les femmes généralement qui montrent leur amour. Et moi, depuis le début, j'ai toujours été porté par les mères, par les femmes. Oh, mais c'est un honneur, c'est un honneur. Il y a ma grande sœur, Rachel. Bah, ça, tellement ébellé que je ne saurais pas citer tout le monde. Il y a même des cocos, si vous pouvez imaginer. Coco Penza. Maman Moukolo, elle a 70 ans. Natala Christian Bosembe. Maman Moukolo, 77 ans, 78 ans. Imagine, ma maman Oana, chaque jour, encore ma maman a prié dans la bango, elle a prié efficacité à vous en rater. Azuka na tongo nzambe nzambe pambola mona nanga bosembe limbisaye batelaye ozo comporter protection et on s'arrête parce qu'elles sont là, elles prient pour moi. Et il y a même des abbés, des prêtres. Des abbés qui prient pour moi, qui m'appellent, des prêtres. Oh monsieur Alvé Félix, merci beaucoup. Mon père il y a des pères en Italie, en Tanzanie, en Afrique du Sud. Vous êtes tellement ébellé. Je ne sais pas vous remercier. Je ne sais pas comment vous remercier. Merci Nabino Nyoso wana ozo continuer aux alanabiso un grand tonneur. Mesdames et messieurs, na lingi lelo tobeta masolo zo concerner mboka na biso. Bino moko boko mona makambo zo lekana mboka na biso oyo bokoloba ke non 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 non. C'est quand même inadmissible. Vous savez, je m'adresse aujourd'hui na ba congolais nyoso oboza partout à travers le monde. Nous avons cultivé dans ce pays une très mauvaise mentalité qui nous empêche d'être nous. C'est vrai qu'on avait été clochardisés pendant près de 50 ans. On a été martyrisés. Nous avons été à un moment donné même déshumanisés. Mais ça ne veut pas dire que tu continues à cause à la bongoutine à souka. Tenez, quelle est la notion du travail? La notion du travail au Tosanango. C'est une notion qui nous met mal à l'aise. Pourquoi mal à l'aise? Le système politique, le système de gestion du pays, est sali que le travail est comme un rare pour maintenir les gens dans des conditions au bout qu'on imaginait. La difficulté à Moussala au Bandeko Bazan en Mboka Nabiso est poussée à Bandeko Moussoussou, parce que Moussala est une machine. Et que l'employeur, esclave na bango. Du coup, les travailleurs n'ont pas de droits dans ce pays. Ils ont de droits que sur papier. Ils ne connaissent pas leurs droits. Et même s'ils le connaissent, il y en a qui les avalent. Parce qu'ils ont peur de perdre leur poste. Et l'État congolais ne fait absolument rien pour protéger l'employeur. Je ne vous parle pas de comment ils sont traités là-bas. Chez les Indiens, chez les Chinois, chez les Libanais, chez les expatriés. Comment les Congolais sont traités chez nos amis qui viennent de l'étranger? Je ne fais pas une stigmatisation pour la nationalité. Oh, Natangi. Natangi, bon, on a titre exemplatif. Et là, à titre illustratif, rien à voir avec une certaine xénophobie. Mais dans ce cas-là, le Congolais va gérer et pas à Bapaya. Mais attention, parfois même pas à Bissomoko. Aujourd'hui, je voudrais vous dire des choses qui vont certainement vous choquer. Mais Zabiloko Tosalaka tous les jours de la vie sans se rendre compte. Je vais commencer par quelque part et puis cheminer ailleurs. Cheminer Nango dans le langage à bien. Balobakana français, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sautes gens. Mais j'ai comme l'impression qu'au Congo, nous avons sautisé certains métiers. Nous avons idiocisé certains métiers. Ton commission, on va métier à Sony, va métier à Passi, va métier à Tinate. Pour l'année, parce que notre regard par rapport à métier wana est même ici métier wana. Aujourd'hui, Moutakolingo, quelque chose que la Bibembete est à Congo. Mais nous allons accepter d'aller le faire à l'étranger. Les gens se disent, mais Moussalo, Bossar, la poteau, Bolingo, Salo, pas la binoté. Pourquoi? Et c'est une question de considération. Na libanda mboka, na ba mboka ba paya, moto a komba ka balabala, moto a apangusa ka ba vitre na banani na ba bureau, moto a nettoyaka ba bureau ya bato tout ça, na ba fille de chambre, na ba serveuse, na ba bato tout basala ka misala wana ou to benga ka misala ya tinate par ignorance, je veux dire. Bango kuna basala ka respecter et honorer. Peu importe grade nayo, tu ne peux pas manquer du respect à la personne qui balaye. Tu ne pourras même pas. Tu ne pourras pas manquer du respect à la dame qui est, comme on dit, technicienne de surface. Tu ne peux pas.
Ce n'est pas parce que tu es chef que tu vas aller manquer du respect à un gardien. Il y a des limites. Parce que dans ce pays-là, la considération de Michel Amiké est à Makassi. Chez nous, nous avons abruti, déshonoré, ma Mixalawana. Au point que, n'a que nos scolabibembe, n'a que nos combats balabala, n'a que nos pas, eh, jamais dans ça l'angoté. Dans ça l'angoté, parce que, entre guillemets, est dans un niveau d'angoté. En réalité, le niveau dont on parle, ce n'est pas le niveau de l'argent. Parce que parfois, les gens travaillent dans MONUSCO, dans les Nations Unies, il est moins payé, il est mal payé, par rapport à un monsieur qui fait ma tirage naé, qui fait ma bilo konaé, ou même qui fait son petit, ses petites affaires. Je vous dis, il y a des gens qui gagnent beaucoup dans l'informel, par rapport à Nabato Bazarabala, à Macaron, qui est banque, il gagne 400 balles. Mais il y a des Congolais qui sont dans l'informel, qui gagnent 600 dollars le mois, 700 dollars le mois, Nabakop Naé. Alors, 700 dollars le mois. Nabakop Naé. Alors que Moutan, dans la banque, il a dit, Macaron, cravate, chemise, belé, il a que 200 dollars ou 300 dollars. Au moni. Donc, Moutan préférait qu'il déplace à 200 dollars, à 300 dollars, parce que là, il estime qu'il manque considération, les alliés. Alors que place, il va dire, c'est un bon, entre guillemets, à cause d'un bon, on est moins belé, ou à cause d'un bon, on est bien, mais considération est athée. Vous voyez, moi je suis allé voir hein, dans la maison d'un sireur. Mais je n'ai pas dans le monde qui a 30, à l'époque, il y a 40 dollars, il faut 30 à 40 dollars le mois. Pas dans ma télévision, mon radio, mon bête, il est organisé, il vit dans sa petite vie. Autour de tu ne gagnes que dans ça, mais que dans ça. Mais le sens de l'organisation, c'est ce qui est à la place. Mais tel que tu es modèle, il est agent à la banque, il gagne 200 balles ou 250 dollars, mais il vit encore chez ses parents, il ne sait pas réunir le montant pour la garantie. Bon, on appelle ça organisation, un modèle, un projet, une ambition. Mais au commun, celui de la banque, en guillemets, va être considéré par rapport au sireur. Par rapport au taximen, par rapport au wewa, il y a de ces wewa qui gagnent leur vie na wewa wana. Atanga kawana, atanga sabana na wana, c'est tout son métier là-bas, toute sa vie est outa na wewa. Mais quelle est la considération que nous avons vis-à-vis de ces gens-là? Notre regard prouve notre ignorance. Et nous avons donc fait des bimisala wana, bimisala yatinate. Donc on est bimisala wana, yango ne vandi sakabambo ka misusu libanda na makasi nango. Regardez un peu le pompier à l'étranger, en France. C'est un métier de prestige. Ce n'est pas un métier des ratés de la société. C'est un métier de prestige. Donc, il y a même eu un sondage, je ne me rappelle plus de l'année, en tout cas, vous allez m'excuser. Le pompier était le meilleur emploi, pas en termes de rémunération, mais en termes de considération. Tu ne manques pas de respect à un pompier. Tu ne manques pas de respect parce que c'est un soldat du feu. Abundelaramoto, quand vous brûlez, viens ta côte à Akuna. Mais qui va vouloir être pompier chez nous? D'abord, il n'y a même pas de mythes comme pompier sur les arômes. Et il y a un arôme à maïté la catinon. C'est-à-dire, l'État lui-même a désacralisé certains métiers. Oh, il fallait qu'il y ait Zobatu Bélé la catinango. Aujourd'hui, quand on dit à un Congolais, voilà la boy maçon, il baisse la tête. Il pense qu'il va humilier. Il pense qu'il va chosifier. Mais va poser la question ailleurs. Qui est un boy maçon? On va te dire que Batang est la Kango classe pour qu'on m'attende à niveau 1. Bah, je leur ai une formation. Aujourd'hui, ceux qui m'ont attendu serveuse, t'as la n'y a pas la caille. Le quoi m'ont tout pamba, le quoi m'ont tout tinaté. Vous voyez? Parce qu'il y en a serveuse. Or, à l'étranger, ailleurs, bah, serveuse, on a bazar formation. Elle a une formation, ou il a une formation, avec la considération. Mais regardez comment nous regardons ces gens-là. Nous les regardons comme des gens bons, des bons à rien. Je me rappelle encore une fois, je me suis fâché contre un monsieur qui a appelé une dame na claquement de doigts. Ah, tiens, vous. Messieurs, entre nous soit dit. Pour toi, Aranani, au combien il est polimenté? Il faut qu'on gagne là. Tu ne peux pas parler calmement. Oh non, mon iba. Non, mais mon frère, faut respecter Kabatu. La serveuse que tu vois là, cette serveuse Ozomunawana, elle n'est pas seulement serveuse. Elle est aussi la femme de quelqu'un. C'est la sœur de quelqu'un. C'est la copine de quelqu'un. Et le côté bon, ça n'a rien à voir. Moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je papa ya bato, ada maman ya bato, ada moi si ya moto. De la même manière, toi, tu veux qu'on te traite quand tu vas au travail, de la même manière, traite bien ta bonne ou ton boy, quand ils sont chez vous à la maison. Le respect, bon, ça,
Pour nous, c'est Moutouli Kambouna, pété, ma baisa wapi. Il faut crier. Qui a dit que crier, c'est ça les. Yaoundé Bazara chef, yaou crier. C'est ça notre problème. Considération est athée. Moutoua, quand tu reçois Moutoua, c'est quand tu es esclave. C'est ça la mentalité colonialiste, etc. Nous continuons à perpétrer la mentalité du colon. Tu ne peux pas manger avec ton abonne à au placement, quoi, au roussa la moté. Il ne peut pas utiliser tes toilettes. Vous n'allez pas utiliser le même toilette. Donc, ça dit que nous avons encore la mentalité des colons. On a une ségrégation sans le savoir, quoi. Et là, quand il y a Simbi, il y a Simbaté, quand il y a Méli, il y a Mélaté, vous avez même des gobelets pour eux. Mais mes frères, nous reproduisons ce que les colons ont fait. Vous avez des gobelets pour Nabango, douche Nabango, et regardez la douche Nabango, elle a toujours salité. Là, on abandonne. Donc, c'est comme des animaux à un moment donné. T'as la nouvelle belle rabonne, Nayo. Tu parles avec dédain de ta bonne. Tu parles avec dédain de ton monsieur, de ton chauffeur. T'as la nouvelle banaye. Il y a même un chauffeur qui m'a appelé, qui m'a fait mal au cœur. Oh, mais il m'a fait très mal. Il m'a dit, avec qui n'a patron, Nayo, patron, il est dans la cima, à Simbra Khan. Khan, on a bêté qui est dans Moutou. Pour aller passer direction. Dis, côté à gauche, ça bêté dans Moutou. Dis, gauche, t'es côté à droite, t'es passé à clignotant. Est-ce que tu ne peux pas parler dans Mounoko? Il faut Simba Kano mettre un moutou dans moutou. Parce que vous foutez 200 dollars, 300 dollars. Voilà, Congolais, c'est un Congolais qui fait ça à un autre Congolais. Est-ce que vous imaginez? C'est bien de dire les Chinois, les Allemands, les Français, les. Bref, c'est bien de dire Bango. Mais nous-mêmes, quel est le traitement que nous réservons à nos propres frères? Nous-mêmes, nous réservons parfois des traitements dégradants, humiliants. Dans mon économie, il y a des gens qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans. Mais regarde la manière dont tu cries derrière la manière dont tu cries sur ta bonne ou sur ton boy devant tes enfants. Mais qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Tes enfants n'auront pas du respect pour elles. Ben, respecter jamais parce que papa crie déjà sur eux. Nous devons savoir développer la mentalité de cultiver bateau. Je me rappelle encore d'un monsieur quand je tournais encore des émissions à la radio. Voilà pourquoi je demande d'avoir une radio, malheureusement. Bon, bref. Le monsieur m'a appelé, il me dit, mais je suis très déçu. Je dis, pourquoi, monsieur? Il dit, non, mon patron m'a gueulé devant les employés. Je suis quand même cadre. Je suis quand même directeur. J'ai quand même fait des études. Je suis quand même marié. J'ai des enfants. Il ne peut pas me crier dessus comme ça. J'ai eu justement le petit réflexe de lui poser la question. Est-ce que vous avez des bonnes à la maison? Il me dit, oui, j'en ai beaucoup d'ailleurs. J'en ai deux. Et je dis, est-ce que vous les traitez décemment et poliment? Est-ce que vous n'avez jamais crié sur eux devant vos enfants? Le monsieur est resté silencieux. Il me dit, mais pourquoi avec toi, c'est toujours difficile comme ça? Même quand on communique, c'est toujours difficile. Nabi, non, parfois, la nature nous donne ce que nous donnons. Quand nous produisons la méchanceté, la nature nous remet la méchanceté. Quand nous sommes méchants avec les autres, la nature nous remet toutes ces choses-là devant Bissomoko. Est-ce que vous pouvez vous-même revenir dans votre manière de traiter les gens? Parce que de la même manière, vous traitez vos subalternes, vos supérieurs vous traiteront exactement comme ça. Vous n'avez pas de considération pour vos subalternes, vos autorités vous traiteront aussi de la même manière. C'est une loi de la nature. C'est une loi de la nature, c'est une loi naturelle. Vous êtes méchant avec les gens, on le sera avec vous. La Bible dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc si vous ne voulez pas être injustement puni, ne punissez pas injustement. Si vous ne voulez pas être maudit, ne maudissez pas. Si vous voulez être aimé, apprenez à aimer. Si vous voulez qu'on vous donne, apprenez à donner. Si vous voulez qu'on vous pardonne, apprenez à pardonner. Si vous voulez qu'on vous libère, apprenez à libérer. C'est la loi de la nature. Que tu fasses des jeûnes de prière de 20 ans, ça ne résout aucun problème. Que tu connaisses Dieu dans tous ses noms, ça ne résout aucun problème. Ce qui résout le problème, c'est la qualité de ton cœur, la foi et la dimension de ta foi. Est-ce que toi, tu comprends les autres? Si toi, tu ne comprends pas les autres, excuse-moi de te le dire, on ne te comprendra jamais. Même si le pasteur Roland Dallot dort sur toi, à l'alélio boué, n'a pas beaucoup de nions, n'a pas connu, à Sangisiango, à Sambelélio, le lignanin. Tant que tu n'es pas bien avec les gens, on ne le sera pas avec toi. Si tu ne respectes pas les autres, personne ne va te respecter. Parce qu'en réalité, nous récoltons ce que nous sèmons. On m'a dit, modèle Nabiso, manière Nabiso, Yerosala. Et exactement, l'olengewana. C'est à nous de voir l'olengeni l'itolingi. Comment nous allons faire? Comment nous allons réagir? Et je le dis ici, que l'État devait nous aider. L'État, il fallait aider Bissot. Tout parfaire, Nzela, on a malam.
ton sala yango bien et comme malamu to pesa pose to pesa crédibilité na misala ya maboko misala ya maboko nde tombola ka mboka bobi ke gouvernement na biso goza paralysé hein to to sala to to ressentir yango penza te hein la preuve to tambola ki au gouvernement za la kité hein on était normal to tambola ki na biso et za ki mais si les wewa babi ko tambola te babi ba te la ville est paralysée. Ceux qui ba taxi men, babi ba rosala te, la ville est paralysée. Ceux qui ba petit na biso ba te ka ba papier mouchoir, ba mai, ceux qui jouent na babi ba bima te, on saura que et logo, il y a quelque chose qui ne va pas. Si nos mamans qui vont vendre na marché, babi mité. Vous allez voir que mboke vous allez trop sentir. Ceux qui ba to ba te ka ba mades ou ba sucre, ba ceux qui bango ba bimité, boko sentir pression sociale wana. Donc en réalité, notre vie de tous les jours n'est pas tenue entre les mains des politiciens. La vie est alliée entre les mains des gens qui font le misala miki miki wana. Mais quelle est la considération que nous avons et pas na bango? Tout en considération na bango te. Je reviendrai pas na bango pour parler un autre jour sur la qualité du travail qu'ils font. Parce que là aussi il y a un problème. Nous n'aimons pas la totolinga misala pena ya makasite. Nous ne sommes pas très sérieux avec le travail et surtout la qualité. On n'est pas regardant. Mais parlons aujourd'hui que de la considération. Je voudrais encore dire une chose. Pourquoi nous violons le contrat d'un modèle O? Et Mutumwindu, l'homme noir, congolais, pourquoi nous n'aimons pas nous donner de la valeur et de la dignité? Je reconnais que Moussa les a passés dans le Congo. Et le coup, la Moussa les a passés dans le Congo, ceux qui ont l'opportunité de nous donner de l'emploi abusent souvent de nous. Le contrat n'est pas respecté. Donc, on peut donner un exemple. Dans le contrat, il est dit que Moussa Nangezali n'a fournir service. Moussa Nangezali, par exemple, n'a pas la DJ. Moussa Nangezali n'a pas la coach. Moussa Nangezali n'a pas chef de bureau. N'a contrat n'a pas sur Yangoana. Mais à partir de quel moment ngane fona toka kaba mai? À partir de quel moment ngane za chauffeur na yo? Ozu nga chauffeur na yo. Mais comme ningi ngane ka ndu kelo basi. Qui a dit ça dans le contrat? Pourquoi tu veux me faire exécuter biloko za contraté? Ngane eko za la journaliste. Nangi kusombe la ba journaliste makayate. Et vani ningi yokti na ngane sombe na cigarette. Na sombe la bino biloko olia. Oh, dans mon contrat, qu'est-ce qui est écrit dans le contrat ngalo toyokani? Olobi nanga na ya koza la chauffeur na yo. Olobi nanga na ya koza la directeur de bureau na yo. Olobi nanga na za la muto na ko coacher batu. Olobi nanga na za la danseur na yo. OK. Mais à partir de quel moment ogom routine nanga question de biloko olia? O somme nanga loko olia. Que tu ke ba nanga na classe? Non, le contrat avec toi, ce n'est pas ça. Si ko congolais ko faire comprendre muto azio na musala bongo, ah, amonyo ndo manquer respect. A manquer ngai. Ada têtu. Oh, têtu ningini. Le contrat qui nous lie ne me demande pas ça. Nga na za muto na me maraba ba document. Musala na nga toyoka ni nga na za coursier na me maraba document depuis na bureau na nga ti na bureau ba to mususu. Ti na nga partout au lingine ka routine na ba document. Mais routine na nga que le kilobacité parce que ça sort de mon cadre de travail. Et là sous que le kilobacité. Et comme yo que ti ka na mon hôpital. Oh. Coursier ngwe ki ne bongo. Qui va laisser ma femme à l'hôpital, va laisser les enfants à l'hôpital, va faire ceci, va faire cela. Et si je ne le fais pas bien, au sanctionner, donc vous me sanctionnez pour des faits qui n'ont rien à voir avec le contrat. C'est pas possible. Et il faut que Misso ma Congolais, tout le monde la biloka modèle, wana. Ngana yo te yokani heure de travail, 8 heures. 10, 16 heures. Nasa le laurate qui est la biloka na boutique na yo. Oui. Te yokani bongo. Mais par mes gardes, n'habitez par imprudence, tout par un nini. C'est pas le contrat. Mais je peux comprendre. Mais comme ils sont au nom, non, c'est mané l'ombre, nandak, ou n'a pas l'achat. Oh non! Tu m'as engagé pour vendre, pas pour faire les achats. En fait, le problème est que, oh, ben, on va s'en servir sur Awa, l'Ibanda, bah, qu'on s'en s'en bongoté. Parce que là-bas, on s'entend sur le terme de contrat. Toi et moi, on s'entend sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour toi. Je t'emploie comme journaliste. OK. Donc, mon travail, c'est rechercher les infos, les traiter, et puis diffuser. C'est ça, mon boulot. Mais à partir de quel moment je commence à aller accompagner ta femme à la maison, je commence à aller accompagner tes enfants à la maison? Non, non, non. Je suis assistant à patron. Je suis juste son assistant. Je l'assiste dans ma tâche. Oh, yeah, dans ma salle, dans ma salle.
Mais comme il n'avait assisté en patron, on a grandi qu'il y la classe. Oh, dites-moi, c'est quoi les rapports? C'est quoi les rapports entre l'assistant, le fait que je. Moussa l'a quoi, c'est l'assistant? On a grandi qu'il y la classe. Je peux encore comprendre le truc que c'est un gars qui aide. Mon frère, aide-moi. Je suis en difficulté. Aide-moi à faire ça. Je vais le faire autant que tu demanderas. Mais ce que tu as commis, qu'on a dans le contexte, on a commis compliqué. Chef, il y a un gars. Pourquoi maintenant il est 6h, minuit. Oh, chef. Je ne sais pas si Moussa est de 8h à 16h. Je ne sais pas si Moussa est de chauffeur. Moussa est de bandaka et de bandaka. Et si il est de bandaka. Si il est de chauffeur, le travail c'est de 8h à 16h. Mais tu l'appelles à 5h du matin. D'abord, Bengi est l'improviste. Tu l'appelles à 5h du matin. Il arrive quand même à 5h30. Au Siliki. Au côté qu'il y a une tente dans l'aéroport. Ok, il est ton chauffeur. Mais à côté de tante, on peut comprendre. Azongi, quand je l'avais dans la classe, Azui, Azongi, Avangi, ainsi de suite. Tu vas le retenir comme ça, t'in à 23h. Et puis il part. Et même si papa, il y a le lobby de Tongo, hein. La Tongo Penza, 4h, 5h30, Zala déjà out. Ndekolanga, Zala Moutou, non? Il y a des choses, tu dois être humain pour comprendre. Le même plaisir que tu as de passer le temps avec tes enfants, ce chauffeur-là a le même plaisir de passer avec ses enfants aussi. Mais ils ont privé, ils ont pour un intérêt personnel, nayo, en violation totale de vos contrats. Ce qui est bon, que le contrat n'a pas Zalananga tout le jour où on en a besoin, n'a pas instant où on en a besoin, on peut comprendre. Mais nous, on est au début, que Zali a commandé à Tongo, on même Tongo à 7h30, à Koya. Parce que il y a 9h30. Donc, il y a comme on a 7h30. Ok. Bon, et puis, on a assez à Moussa là, généralement, 17h, après 17h, 18h. Donc, ça lui donne la possibilité d'avoir un autre contrat de 6h à 7h, d'une heure. Ou d'un autre contrat de 17h à X time. Mais il y a eu qu'on viole le contrat là, au début. Oh non, le lobe n'a pas eu d'urgence. Oui, on a 5h. Et comme d'habitude, non. Bongote, s'il vous plaît, parce que à la fin, ça dérange. À la fin, ça embête. À la fin, ça fragilise. À la fin, ça détruit. C'est à nous de décider comment nous allons faire les choses. Apprenons à respecter les autres. Ne sortons pas du contrat. Bande Konanga, si je vous dis comment nos frères et sœurs sont humiliés, chosifiés, dans l'entreprise de Roy, imaginez-vous. À l'époque, c'est là qui, ceux qui m'ont fait, ils m'ont fait, ils m'ont fait, ils semblant. Aujourd'hui, les femmes n'ont même plus le droit d'être draguées. On les impose le sexe contre le poste. Et c'est connu de tout le monde. Il y a même de ces Michel là, on va tout baébi. Quand une dame vient chercher un boulot, on lui demande au-delà de ses compétences. On demande sa corpulence. On demande qu'elle se déshabille. N'a pas de porte-parole. Le boulot, nous avons dit que nous avons dit nos communications. Mais vous ne m'avez pas choisi pour être une actrice. Ou vous ne m'avez pas choisi pour faire plaisir au boss. Quelle légèreté. Le patron se permet de tapoter les femmes mariées. Parce que la pauvre dame, elle n'a que ce boulot-là. Elle nourrit ses enfants. Son mari peut-être dans le chômage. Et surtout les femmes seules, elles vivent de toutes les couleurs. Moi, c'est la moussala convenablement. Et ça, c'est parce qu'elle vit avec des immoraux, tout simplement. Des hommes immoraux qui ne comprennent pas que la femme d'autrui, c'est une femme mariée, n'a respecté Ata. Non, aucun respect. Si tu ne veux pas, tu pars. Ah, papa. Ata kobino moko. Bah, ça l'a kabongo. Ce qu'on peut quand on évolue, on développe, on est ceux qui déjà un métier, même au niveau professionnel, on n'arrive pas à tenir le modèle. Voilà pourquoi moi je demande une certaine réconsidération Yamakambo. Que l'État congolais prenne en charge Bamisalawana. Ce n'est pas pour rien qu'on a l'INPP. Où on forme les gens pour la Moussala. Pas former Bango P, c'est vrai, pour l'éthique, pour la Mambébele, pas former Bango Namakambo bien. De façon que ceux qui vont outikuna, comment tenir. Et que les inspecteurs de travail aider les Congolais Bélé. Quand quelqu'un vient se plaindre et pas inspecteur de travail, l'inspecteur de travail, au lieu d'agir, le pauvre ne va pas agir parce qu'il est soudoyé par le patron. Ou alors, s'il est sérieux, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des inspecteurs de travail sérieux, vraiment, Bazali. Au penaki, kangi mo alobi, non, il faut, bazongusona moussala nao. Mais comme il est compliqué. Est-ce que vous savez que la loi congolaise dit ceci?
Lorsque vous êtes licencié abusivement, la sanction d'un licenciement abusif, c'est la réintégration. Donc, ce que va bengagner le moussala na ningi amabe, la loi le code te donne la possibilité de réintégrer le travail là, avec ou sans l'accord de ce chef là. Il faut pas oublier ça. Alors, ce qui chef on a à maintenir à boy, il faut à foutre 36 fois ton salaire, 36 fois salaire na yo. Mais c'est pas ce qui se passe chez nous. Les textes sont là, mais l'application y a ma texte wana. Nous devons arriver à faire respecter ma code, na ma texte na biso. Mais en même temps, ma congolais aussi, il faut pas y aller qu'on l'appelle qu'on un peu digne. Ne comprenez pas que vous dites ni moi, on na pia kamé, on na honneur na yo. On ne peut pas commencer à se jouer de toi, na biloa papa ma modèle wana. Tous les le Congo, surtout au Congo, les gens crient sur tout le monde pour rien. Koganga, koganga. Donc, pour la banque, c'est mon chef, il faut ganga. Ça l'a posé, respecte les gens. Tu peux parler sans crier. Chef, en réalité, un chef n'écrit pas. Le chef n'écrit pas. Si tu veux savoir un chef à ganga rapenzate, ce que chef a commis un niveau au ganga, c'est que beaucoup de bêtises, ça les mis et les qui, oui, ça, comme je le dis, on en parlera, autre, côté Moussousou, parce qu'on a le beli mingi mingi contre ma chef. Mais on a chef, on a rappelé ça compliqué. Il y a des gens qui ont une incompétence notoire. Alingi Moussala, Malingi Koye Kola Moussala, Moussala T. Incompétent, il y a un maquila. Tout on a appelé ça chef, tout passe, je suis bien d'accord. Appelé ça chef, tout passe, il faut être incompétent. Mais écoutez, sa chef autorise la permission T. Ou bien nous ganga, ou finga, jusqu'au point d'insulter les gens. Ma famille na bango, ma parents na bango, même Kobeta. Au combien de niveaux qu'on peut être n'engénin? Au combien de niveaux qu'on se fait la moutou maïn n'engénin? Au combien de niveaux qu'on peut bamba moutou l'eau? Au combien de niveaux on a n'engénin? Ce qu'on m'a dit, moutou, c'est l'imoussalé, c'est pélicioté. Sanctionné, zongisa yenda kouna bango, ou bien limogé. Mais tu ne peux pas aller jusqu'au point de porter, qu'on peut être moutou l'eau, comment on peut? Libanda, balé karabiso, pona makambo. Bango kouna, ba pesa ma kasi, ba pesa ma yele, ba pesa, ba misala mike mike. Respect. Toto sana. Bandeko. Toto sana. Mouta moussala ose pana yowana. Aza mwasi yabato. Aza mobali yabato. Tosa ye. Lokola yo lingi ba tosa yo. Kaka nenga benga kao papa. Kaka nenga benga kao mama. Yepe pana ye. Babenga kaye papa. Babenga kaye mama. So ki yazo zonga ka chaque jour kena kole laka. Ah nga vama. Kuna mame nyo kolanga. Kuna mame nyo kolanga. Ozo yabate ozo mikanga ba porte bele. En plus ye mouta lembe laka yo. Donc keba. Belo mouta fo ale doucement. Allez-y tout doucement et calmement. Voilà un peu ce que je voulais partager. Mais au moins, monsieur, encore qu'ils aient un combat battuté, encore qu'ils aient un combat parti politique, et nous avons possible. Je vous retrouve tout de suite. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Les parfums du Gore. Fabriqué à base de plantes naturelles. Aïcha Borozov, Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au +33 783 057 114. En Belgique, au +32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez +243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des conteneurs, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis.
Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Debout, Congolais, unis par le sang.